J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Mais étant donné que ce matin, j'ai complètement oublié de prendre ma caméra, eh bien, je filme avec mon téléphone portable. Et puis tout à l'heure, j'irai la récupérer. Parce que je pense que ce midi, je vais rentrer chez moi rapidement. Parce que j'ai quelques trucs à prendre et à faire. Ce matin, donc, on est jeudi. J'ai décidé de commencer un vlog jeudi. Vous entendez la petite sonnerie. J'ai plein de petites choses en fait à vous montrer dans ma classe, à vous faire découvrir. J'avais envie de vous parler de plein de petites choses à l'école. Donc je me suis dit que j'allais lancer un weekly vlog ce jeudi. Vous allez me suivre un petit peu ce week-end aussi, sûrement dans des métriers, mes cartons, mes choses, parce que je sais que ça intéresse quelques filles sur mon déménagement. Et puis lundi, mardi, mercredi et jeudi prochain pour la suite de ma semaine. Comme ça, bon, voilà, vous avez un weekly vlog, mais on décalé, on va dire, pas du lundi au dimanche, quoi. Mais ça ne change rien pour vous. Vous allez me suivre un petit peu dans mon quotidien. Aujourd'hui, logiquement, on a escrime si tout va bien. Je vous mettrai quelques petites vidéos si tout va bien, si nous avons escrime. Logiquement, c'est compétition d'escrime. Il faut que je demande à mes directrices parce que la semaine dernière, les enseignants d'escrime n'étaient pas là. Et du coup, logiquement, c'est décalé à aujourd'hui. Évaluation, beaucoup d'évaluations. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer les évaluations parce qu'on a beaucoup d'évals. Et je sais que ça intéresse pas mal de mamans qui veulent savoir un peu le niveau en CP, en fin de CP, ce qu'on demande aux enfants en fin de CP. Et je voulais vous montrer nos petites réalisations pour les papounets. Puisqu'on est jeudi, juste avant la fête des pères. Donc on a fait quelques petites choses et on a même écrit un poème nous-mêmes. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais aller chercher mes élèves. Bien l'air, vous vous souvenez bien des règles. Souvenez-vous qu'on doit lever la main quand on est touché, tu l'as déjà dit. Non, je n'ai rien dit encore. Souvenez-vous quand vous êtes touché, qu'est-ce que vous devez faire? Doucement, marche retraite, on fait la pente. Quand on est touché, on lève la main et on regarde sa place. Mais elle a touché le bras. Allez, 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 mon vieux fort. Mais t'as rien à entendre, vous n'avez pas beaucoup. Pourquoi tu veux? Et on revient à sa place. Il faut reculer vite parce que vous ne voulez pas être touché. Non, pourquoi? Donc on se retrouve, il est 13h20. Je pensais rentrer chez moi ce midi. Mais en fait, non, j'ai pas pu parce que j'avais cours de sophrologie. Depuis quelques semaines, on fait des cours de sophrologie le midi. Et c'est juste trop bien, puisqu'on se relaxe vraiment. En fait, on nous apprend à nous-mêmes nous relaxer pour ensuite apprendre aux élèves à faire un petit temps de relaxation dans le cadre de l'école, un petit quart d'heure. Et j'ai commencé avec mes élèves d'ailleurs, et ça marche super bien. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode calme et attentif comme une grenouille. J'essaierai de vous mettre la photo du livre ici, parce que je ne me rappelle plus du titre exactement. Je l'ai commandé sur la FNAC, je vais bientôt le recevoir. Et elle marche très, 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 très bien. Alors moi, je l'ai sur QSB en attendant d'avoir le livre. Mais ça marche très, très bien sur les élèves. Ils adorent faire leur petit moment de relaxation. Donc on va le faire juste après aussi. Du coup, moi, je suis relaxée, je suis requinquée pour cette dernière journée, puisque jeudi, c'est mon dernier jour. Je vous montre tout de suite ce qu'on a fait ce matin en évaluation et nos cadres de fête des pères. Alors, en évaluation, ce matin, on a fait une première éval de lecture sur le texte qu'on est en train de lire. En fait, on lit à chaque fois une histoire, on travaille 2-3 sons et on fait une évaluation. Donc là, c'est un texte sur la mythologie grecque et qui n'était pas facile à ma foi. Et du coup, là, on avait une évaluation avec quelques mots de vocabulaire qu'on a appris, des choses comme ça, remettre une phrase dans l'ordre. Donc ça, c'est les évaluations qu'on fait à chaque histoire. Donc il y en a eu 12, comme vous pouvez constater, dans l'année. Ensuite, ici, j'ai toutes mes évaluations de fin d'année, de dernier trimestre, donc évaluation de numération, donc là avec les réponses, les élèves sont censés savoir les plus grands au plus petit au plus grand, et savoir les doubles, les moitiés, jusqu'à 20, du calcul mental. Oups, j'ai été coupée par une collègue sans parler des commandes pour l'année prochaine, des futurs fichiers, etc. en CP. Donc je disais donc, en mathématiques, je ne sais plus ce que je disais exactement, mais on a travaillé les doubles, les moitiés, du calcul mental, les sigmes, vous voyez par vous-même, dictée de nom. Donc ça, c'est l'évaluation que j'ai faite quand? Hier ou avant-hier, je ne sais même plus. Ensuite, là, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse passer les évaluations de lecture du troisième trimestre. Donc on leur demande de lire des syllabes avec des sons complexes, des mots outils, des mots qu'ils connaissent déjà parce qu'on les a vus dans 10 milliards d'histoires, des petites phrases avec des mots qu'ils connaissent déjà et un petit texte inconnu. Ça va être vraiment dur pour ceux qui sont en difficulté. Je pense que j'en ai 2-3 dans ma classe qui ne vont pas réussir à faire tout ça, mais qui vont peut-être réussir à faire le haut. Donc voilà, il faut avouer que même sur une classe de 12 élèves, il y a quelques élèves quand même qui n'ont pas acquis la lecture, on va dire, de façon aisée. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir réussir à décomposer le mot en syllabes. Et encore, j'en ai peut-être un qui va avoir du mal à lire, un ou deux,
qui vont avoir du mal à lire. Mais bon, je verrai tout à l'heure, peut-être j'aurai des surprises. On verra tout à l'heure quand j'aurai fini de faire passer tout le monde. Ensuite, il y en a eu en orthographe des petits syllabes dictées, des mots dictés. C'est des mots qu'ils connaissent logiquement à peu près, et une phrase dictée. Et ça, c'était super bien réussi. J'étais très étonnée parce que c'est un truc que j'ai pas beaucoup fait dans ma classe. Et ils ont plutôt bien réussi la dictée de phrase. Donc, très très belle découverte. Et la dernière évaluation, non, c'est tout. J'ai fait le tour. Donc, ça, c'est les élèves. Hein. Vous voyez, là, il a plutôt bien réussi, Cassim. Et je crois. Ah non, il y avait l'évaluation de mathématiques calcul avec des additions, des soustractions et des additions en colonne, qui est le truc qu'on vient de faire là récemment. Moi, je l'aurais pas appris, je l'aurais pas appris comme ça. Enfin, je l'aurais appris avec les dizaines et unités, mais bon, ma foi, là, ils ont plutôt bien réussi. Je vous ai pas montré depuis deux jours, j'ai changé. Enfin, non, depuis lundi ou mardi, je ne sais plus. J'ai vraiment un problème de mémoire en ce moment. J'ai changé mes tables et je les ai mis en U. Et pour l'instant, je suis plutôt conquise parce que ça marche très très bien. Ils bavardent beaucoup moins, ce qui est à mon grand étonnement, ils bavardent beaucoup moins comme ça. Ils sont beaucoup plus concentrés. Là, c'est vraiment, on n'a pas autant bossé, je trouve, depuis que... Enfin, on a vachement plus bossé depuis qu'on est en U. C'est très étonnant. Et du coup, ils prennent beaucoup de plaisir aussi à retourner sur les tables de regroupement comme ça et de se retrouver à 4. Au niveau du cadeau de la fête des pères, donc le voici. On a réalisé un petit cadre que j'ai acheté chez Zodio pour les cadeaux de fête des pères et des mères. C'est souvent chez Zodio que j'aime fournir. Et on a réalisé ce petit cadre, donc il était en bois. On l'a peint avec une peinture métallisée de chez Action qui est vraiment bof, mais bon, ma foi, ça a fait le taf. Hein. C'est qu'elle colle un peu, c'est bizarre. Et avec des Posca, on a décoré nos cadres un peu en façon aztèque, comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Et on a fait un petit poème maison, donc super papa, papa cool, papa poule, je t'aime comme le ciel qui roule, tu es beau et intelligent comme un cygne blanc, mon super héros de tous les temps. Donc tout le monde a fait le même poème, parce qu'on l'a fait en collectivité, enfin collectivement, mais du coup maintenant il n'y a plus qu'à emballer tout ça. Ils vont les prendre ce soir parce que demain je ne suis pas là, et mon remplaçant du vendredi n'est pas là, il est en formation. Donc ils vont les emmener ce soir, vous savez, pourront les offrir soit ce soir, soit dimanche. Donc je vous ai tout raconté pour cette petite journée déjà. Là, comme je vous ai dit, on va emballer le cadeau de fête des pères, on va écrire les devoirs, faire les devoirs, enfin expliquer les devoirs. Et puis mais je vous retrouve ce soir à la maison. J'ai deux colis qui m'attendent puisque j'ai reçu les mails comme quoi qu'ils étaient arrivés dans ma boîte aux lettres. Et m'occuper de ma lessive. Oui, très intéressant, mais oui. Donc direction, je vais aller chercher mes élèves. Voici le résultat. Tout le monde a fini. Attends, donc parfait. Bien rentré à la maison. Grosse journée. J'ai récupéré mes loulous qui sont dans le salon. Et j'ai reçu un colis. Je vous l'avais dit que j'allais recevoir des colis. Je suis trop, trop contente. Alors, pour la fête des pères, moi, j'ai offert à mon chéri un super cadeau, un peu un rêve qui se réalisait pour lui. Une place pour aller voir... la Formule 1 qui se passera très prochainement au Castellet dans le sud de la France, et du coup c'était genre son rêve, donc ça m'a coûté assez cher, donc je lui ai dit que c'était un peu un cadeau de tout anniversaire, fête des pères, mais j'ai reçu par une marque un produit spécialement pour lui, du coup je suis trop trop contente parce que je suis sûre à 100 000% qu'il va être ravi, enfin j'espère ne pas me tromper. Je vous explique tout de suite ce que c'est. Donc c'est une sorte un peu de rasoir tondeuse, on va dire ça comme ça, de la marque Remington. Il s'appelle le DuraBlade. Il est orange et noir comme ça. Bon, alors je suis pas fan de la couleur, mais après, bon, mon mari, peut-être ça lui plaira. Hein. Et du coup, ça rase toutes les longueurs de poils en douceur. Il n'y a pas besoin de remplacer les lames, donc c'est pour ça que je dis que c'est une sorte un peu de tondeuse. Ça dessine les contours avec précision, ça réalise facilement tous les styles, si vous voulez vous faire une petite barbiche et tout, un peu sympa. Et qu'est-ce que ça nous dit? Tond la barbe rapidement avec le guide, il y a 1, 2, 4, 6 mm. 100% étanche, mais ne s'utilise pas avec... Ah si, peut être utilisé avec de la mousse à rager. Donc ça c'est cool. Coucou, il y a Crapouillotte qui vous dit coucou. J'arrive, maman. Ok, tu arrives, ma chérie.
Donc je pense que Papounet va être ravi de ce cadeau. Je vais aller m'empresser de l'emballer pour lui offrir. Mais je voulais vous le montrer avant. Je vous referai, si ça vous intéresse, un retour sur ce produit-là pour les hommes qui me regardent. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des hommes qui me regardent. Mais n'hésitez pas à vous faire connaître en commentaire s'il y a des papas ou des hommes, tout simplement, qui sont sur ma chaîne. En tout cas, je suis sûre que papa va adorer. Allez, je vais aller m'occuper de mes crapouillots. Puis on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain. Le retour de l'école, c'est toujours comme ça souvent. Je sais pas si vous êtes pareil. Quand moi je reviens de l'école, je ramène toujours du travail à la maison. Forcément, j'ai plein de choses à faire. Pendant mon week-end de retour, puisque je travaille pas le vendredi, ça va être livré. Donc, j'ai posé mes évals que je dois finir de corriger ici. Je vais les trier et les ranger dans leur pochette pour chaque élève. Et ensuite, je vais remplir les livrets sur Internet. Pour chaque élève, pour les rendre la semaine prochaine, comme je vous disais. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, je crois, je ne sais même plus. Puisque vous savez, enfin, je ne sais pas si c'est le cas dans vos écoles, d'ailleurs, dites-le moi, mais dans mon école et dans ma ville, souvent, les enfants, les parents, partent très tôt en vacances avec leurs enfants, presque autour du 20 juin. Donc, on essaye de faire les livrets autour du 20 juin pour les donner avant le départ en vacances pour l'été. Et souvent, ceux qui partent en vacances le 20 juin reviennent après la rentrée des classes. Oui, ils ont quasi 3 mois de vacances. Donc c'est assez... Honnêtement, c'est assez exagéré, hein, parce que les enfants, c'est trop pour eux, c'est trop. Quand ils reviennent après la rentrée, c'est hyper dur de se remettre dedans et tout. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc moi, j'essaye de finir les livrets, voilà, pour le 20 à peu près, pour les donner dans la semaine du 20 ou 24. Parce que je pense que les dernières semaines, je vous ferai un vlog dernières semaines de vacances, mais il n'y aura plus grand monde dans l'école. Hé hey. Ben ce soir, j'ai plein de choses à vous dire, dis donc. Là, je viens de me faire une petite manicure. Alors, vous ne verrez pas bien, parce que bon, il est quand même 21h30, même s'il fait jour, la luminosité baisse. Mes petites manicures un peu nude, c'est une sorte de nude marronné avec des paillettes, vous voyez bien, je pense, sur la caméra. Et du coup, c'est le Sweet Tart de chez SI, le 469. Et puis, ben, je vais me mettre à répondre à vos derniers commentaires. J'ai mis en ligne une vidéo hier de make-up. Je vous la remettrai en i. Si ça vous intéresse, ça vous a pas beaucoup plu. En tout cas, ça vous a pas plus intéressé que ça. Donc, c'est bien dommage. Ça, j'avoue que quand je passe du temps sur une vidéo, c'est vrai que ça me rend triste de voir... que bah, vous n'avez pas eu envie de la regarder. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Des fois, je ne sais pas trop ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Donc bon, n'hésitez pas, justement, en bas de cette vidéo, c'est quoi ça? C'est une bébête. Et n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, à me dire vos petites idées de ce qui vous plairait, mis à part des hauls, etc., et des vidéos maîtresses. Plein de vidéos maîtresses arriveront, je pense, au mois de juillet, dès que je serai en vacances et que j'aurai plus de temps. J'ai des idées. Là, il y en a une bientôt aussi qui va arriver avec des idées cadeaux pour les maîtresses en fin d'année. Je vais essayer de la faire ce week-end. Donc, vous l'aurez sûrement avant ce vlog. Mais donc, voilà, voilà. Et je suis en train de faire rouler ma petite bougie Merci Andy. Je ne sais pas si vous verrez que c'est une Merci Andy. Dans les verres Duralex, je crois. D'ailleurs, j'en ai fini une que je vous ai montrée dans ma vidéo Produits terminés. Je ne sais pas si elle sera déjà en ligne. Et... le verre, je l'ai lavé et tout, il est ressorti nickel chrome. Donc je peux l'utiliser en tant que verre ensuite. Et là, c'est la bougie Black Vanilla, donc qui sent très 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 bon la vanille. Elle embaume vraiment plutôt bien celle-ci, alors que l'autre, elle embaumait pas trop dans ma pièce à vivre, on va dire, dans mon salon, là, chercher le nom. Donc là, je suis plutôt contente de celle-ci. Et j'en ai une autre à vous montrer justement. Regardez ce que j'ai reçu et comment j'étais excitée quand j'ai reçu celle-ci, mais vous auriez vu ma tête. Donc c'est une My Jolly Candle, la Tropical Jungle. Le packaging est juste magnifique, j'ai même pas osé l'enlever. J'ai envie de faire de tampons de photos, vous voyez, c'est ridicule. Et la bougie, mais elle sent tellement bon, mais tellement bon. Je l'avais laissée dans ma chambre parce que j'ai mis tous mes produits dont je dois parler. Ou voilà, je l'avais mis pour faire une photo, je crois même. Je l'avais laissée dans ma chambre et la chambre sent trop trop bon maintenant. Mais c'est une odeur qui ne plaira pas à tout le monde. C'est pas du tout une odeur sucrée gourmande. C'est une odeur de plantes, de frais. Je ne sais pas trop comment la décrire, mais je suis trop ravie. Rien que l'odeur est divine. Et surtout, dedans, vous avez un bijou. Et celles-ci, ce sont des boucles d'oreilles. Alors, j'aurais préféré une bague parce que moi, je sais que je change très, très peu de boucles d'oreilles.
Mais voilà, c'est plutôt cool, ça c'est pas grave. J'espère que la prochaine fois, je pourrai en tester une avec une bague à l'intérieur. C'est... Alors attendez, je vais essayer de la sortir sans rien casser. Alors je sais que vous les connaissez toutes, hein, vous les avez beaucoup vues sur YouTube, etc. Mais moi j'étais trop contente de la recevoir. Voilà, tellement j'en avais entendu parler que là, c'était top de la recevoir de la part de la marque. Et du coup, bah, je suis trop ravie. Donc j'ai hâte de la tester très prochainement. Je pense que je vous en reparlerai peut-être dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo sans problème. N'hésitez pas à venir vos avis, vous, si vous avez testé cette bougie, cette marque en commentaire, parce que ça m'intéresse. De toute façon, n'hésitez pas à réagir à tout ce que je vous raconte dans mon vlog, parce que j'ai décidé d'être bavarde, hein, comme vous pouvez constater. Et du coup, bah, vous pouvez être bavarde vous aussi dans les commentaires. Bon, maintenant, je vous laisse tranquille. Je vais passer ma soirée à répondre aux commentaires, à commencer à regarder pour les livrets de ma classe, et puis à regarder des petites vidéos sur mon iPad. Vous voyez le bazar sur ma table, c'est très très bien. Coucou, aujourd'hui vendredi, c'est un jour où je ne travaille pas, je vous l'avais dit hier. Du coup, aujourd'hui, je passais la matinée avec mes enfants, j'ai été faire un petit tour dehors avec eux, profiter un petit peu du soleil qu'il y a aujourd'hui, il y en a un tout petit peu. Et là, pendant qu'ils sont partis au dodo, je vais pouvoir enfin me poser, filmer deux vidéos, comme ça j'aurai pris entre guillemets un petit peu d'avance. J'ai écrit un article sur ma vie de maman, parce que c'est vrai qu'il y a, en ce moment j'ai des petites difficultés, j'ai des petites choses voilà, qui me tracassent et tout, et j'aime bien vous les écrire à travers un article, donc bah, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Sur mes lèvres, parce que vous êtes nombreuses à me demander, celui-ci, c'est le Recollection de chez MAC, et c'est un matte lipstick, rétro matte lipstick que j'adore, il est tellement beau, je l'ai acheté au Duty Free lors de mon retour du Canada, donc j'aime beaucoup, comme ça je vous l'aurais dit, parce que la dernière fois je ne l'avais pas montré dans une de mes vidéos, et j'ai reçu 3 colis, donc je vais les ouvrir, je vais voir si je peux vous en parler maintenant, parce que j'ai pas envie forcément de tout le temps vous déballer mes colis dans mes vlogs, mais aussi il y a des trucs, des fois c'est sympa de vous les montrer, donc je vais regarder ce que c'est, parce qu'il y en a un, je sais. Ça, c'est un cadre photo là, donc je vais vous le montrer juste après. Mais les autres, je ne sais pas. Donc on va voir. Donc de la part de la Lalab, j'ai bien reçu un cadre. J'ai caché les photos de mes enfants. Alors d'habitude, j'essaye de faire des cadres avec des photos que je peux vous montrer. Mais j'avoue là, ça me tenait trop à cœur. Parce que la Lalab m'a proposé de m'envoyer un cadre photo. Et j'avais envie de faire pour notre future maison, si vous avez suivi, je vais bientôt déménager, un petit cadre. J'aime pas exposer tout le temps des photos de nos enfants, etc. dans les maisons, enfin, je trouve ça... Voilà, j'ai pas trop envie, mais j'avais envie quand même une petite touche. Et celle-ci, je trouvais le cadre très sympa, où on pouvait mettre 4 photos. Et j'ai mis, ben voilà, des photos un petit peu dans les tons bleus et dans les tons verts, et je trouvais ça trop joli. Donc, je vous montre quand même, on va dire, l'atmosphère pour que vous vous rendiez compte. Donc, j'ai caché les visages de mes enfants, mais... Voilà, vous voyez qu'il y a une photo de moi et mon mari et de mon fils et ma fille tout en bas aux chutes du Niagara au Canada. Donc je vous remets les vlogs si ça vous dit dans le petit i, puis en barre d'infos si j'y pense. De toute façon, et vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et en haut, deux petites photos où on était partis en balade dans un parc. Et voilà, c'est des photos plutôt verdoyantes et printanières. Donc je les trouvais trop jolies de mes enfants. Donc voilà, la petite famille au complet. Et les cadres sont vraiment d'excellente qualité. J'en ai déjà un super grand qui attend, prêt à être déménagé pour être installé dans ma future maison. Et voilà, dedans c'était protégé, il y a un gros film plastique, enfin, c'était hyper bien protégé, donc il n'y avait pas de risque de casse. Et le deuxième colis, c'était la box My Sweetie Box. Je vous l'ouvre sur Instagram, donc là je vais faire tout de suite ça sur Instagram, donc je vous invite à aller me rejoindre sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu mes unboxings. J'essaye de pas tout vous faire en vidéo parce que voilà, je sais que ça intéresse pas forcément. Et sur Instagram, moi j'aime bien regarder les unboxings des copines blogueuses et youtubeuses, donc c'est plutôt cool. Et le troisième colis, c'était aussi pour Instagram, donc je vous réserve ça sur mon Instagram et je vous invite à me rejoindre. Je vous ouvre aussi la My Sweetie Box sur Snapchat pour celles qui sont plus sur Snapchat. Plus sur Snapchat. Je vais y arriver. Bon, maintenant je vais aller filer, faire mes vidéos. Après, j'ai rendez-vous avec ma nounou pour, entre guillemets, la fête de fin d'année avec la nounou et d'autres nounous en fait du quartier où elles se réunissent, elles font un petit goûter, elles donnent des cadeaux aux derniers qui partent. Sachant que moi, mes enfants ne viendront plus l'année prochaine chez la nounou, malheureusement, parce que je l'aimais beaucoup. Et ça se passait super bien. Du coup, ils vont avoir leur petit cadeau de fin d'année. Et ensuite, il y a conseil d'école jusqu'à 20h, 20h30, un truc comme ça. Donc, je retourne à l'école, oui. À certains jours, je ne travaille pas, mais les conseils d'école,
C'est souvent le vendredi dans mon école, d'ailleurs ça m'agace. Et si vous êtes maîtresse, n'hésitez pas à me dire si vous, c'est tout le temps le vendredi, ou des fois c'est le mardi, ou le jeudi, j'en sais rien, un autre jour. Parce que bon, le vendredi, c'est vrai qu'avant le week-end, et ça tombe les jours où je travaille pas, donc c'est un peu relou, mais je vais devoir retourner à l'école pour le dernier conseil d'école de l'année. Et puis voilà, bon, je vous retrouverai sûrement demain, samedi, quoi de prévu. Je dois aller voir mes copinotes, logiquement. Alors je dois aller au magasin, me chercher un Fix Plus chez Mac. D'ailleurs, je vais regarder la nouvelle collection de Mac qui m'intéresse pas mal. Donc je vous emmènerai avec moi. Et je dois aller voir les copines chez Nini, donc la chaîne Les Folies de Nini. Et Mélanie, il y aura Mélanie aussi. Donc je dois aller les voir. J'ai pas mal de dons à leur ramener. Je vous remets ma vidéo où je vous parle des dons par ici. Et du coup, voilà mon programme, le dimanche en famille. Et puis lundi, on est reparti pour une semaine tranquille à faire mes livrets, comme je vous disais, et tout ça. Bon, allez, je parle pas trop parce que voilà, j'ai tendance à être bavarde en ce moment. Je vous fais des bisous et peut-être à tout à l'heure ou à demain. Coucou! On se retrouve aujourd'hui, samedi avec les copines, je vous avais dit. Chez on est le 16 jours? Ah ouais, on est le 16, ouais, grave. Je suis perdue dans les dates. Il y a un an, on était chez toi, Jennifer. Eh oui. Ah non, on était en week-end, au soleil. Ouais. Voilà. Il y a du soleil. J'étais en ouais, il y a du soleil. Ouais, on est plus enceinte. Moi, ouais. Je sais pas, mais j'étais voilà. Et du coup, on est chez Nini aujourd'hui. On fait un petit apéro entre copines. Donc, voilà, on voulait vous faire un petit coucou. Et je crois que Madame, elle vlog aussi. Oui, tu vlogs. Donc, vous pourrez aller voir son vlog. Je vous mettrai de toute façon les chaînes. Si j'y pense en barre d'infos, mais j'attends que Mélanie m'envoie le lien de toutes les chaînes. C'est vrai, je devais faire ça, j'ai oublié. Donc voilà. En tout cas, on vous retrouve demain. Enfin, moi, je vous retrouve demain. Avec mes petits achats à Aéroville. T'as craqué? Non, pas beaucoup. C'était où? À Mac. Et j'ai acheté un cadeau pour la fête de mon père. Ah ah. Enfin, la fête des pères, du coup. J'ai trouvé un cadeau. Parce que j'avais trouvé un cadeau pour mon mari que j'ai montré dans mon vlog. Mais j'ai acheté la même chose pour mon père. Je me fais attaquer par les moustiques, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein là, on va rentrer. Ah oui, c'est ça. Attends. Hello, on est lundi matin. Il est 7h30. Hier, j'ai pas pu vous prendre parce qu'en fait, on était en plein carton, hein, je vous montre. Mais on est en plein carton. Et puis, bah, du coup, j'étais en mode pyjama, carton. Rien d'intéressant, quoi. Samedi, comme je vous ai dit, je suis partie à une soirée avec les filles et je suis allée chez... D'ailleurs, je suis tombée sur une vendeuse vraiment top qui s'appelait Johanna à Aéroville. Vraiment très 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 sympa. Je pense que j'y retournerai rien que pour elle, entre guillemets, parce que vraiment elle était agréable et tout, voilà. Et je suis allée me prendre le Fix Plus que la marque m'a offert. Donc je pouvais aller en boutique le chercher. Et vous aussi, vous pouvez aller acheter votre Fix Plus et le décorer. Je vais vous montrer la décoration du mien, il est trop beau. Et je vais justement fixer mon teint tout de suite, parce que là je viens de finir mon make-up, donc je vais pouvoir le fixer. C'est donc celui-ci, celui à la noix de coco. Attendez, je l'ouvre. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près après. Il est tout neuf, hein. Ça sent hyper bon. J'aime beaucoup le Fix Plus, déjà à temps normal, mais alors là, ça sent super bon. J'ai beaucoup hésité à prendre soit celui-là à la coco, ou soit le gold. Il y avait un gold ou un... Alors soit... avec des paillettes gold ou des paillettes un peu rose gold. Et honnêtement, j'ai hésité. Parce qu'elle m'a dit, la vendeuse, que c'était pour donner un effet glowy au teint. Ça donnait pas de paillettes partout. Ça donnait vraiment juste un effet glowy. Donc j'ai hésité. Mais celui à la noix de coco, il sent bon. Hein. J'avais entendu dire qu'il sentait pas terrible. Mais je ne comprends pas. Bah, moi, je trouve qu'il sent bon, la noix de coco. Et il est hyper agréable, le spray il est vraiment très pratique. Et je vous montre de plus près ma belle bouteille. Vous aussi vous pouvez donc aller customiser votre Fix Plus en boutique si vous avez envie de craquer. Tadam ! Et oui, j'avais envie de le customiser à mon nom, hein, forcément, cliché. Et le mettre la petite noix de coco comme ça pour me souvenir que c'était celui à la noix de coco. Parce que j'en ai un autre qui est le basique. Je trouve sympa leur idée de customisation parce que c'est vrai que les bouteilles elles sont beaucoup plus sympas comme ça. Bon, faut avouer que ceux qui sont gold, ils sont déjà très très beaux. Waouh. J'ai hâte de tester les autres du coup parce que ça me donne bien envie, mais je vais utiliser déjà celui-ci que je vais glisser tout de suite dans ma salle de bain. Bon, maintenant ça va être petit déjeuner dans ma jolie tasse comme ça que j'avais reçue à Noël. D'ailleurs je vous ai mis une vidéo idée cadeau pour les parents, pour les maîtresses. J'utilise encore mon thé
Pour Dati, si vous voulez, j'ai un petit code promo qui vous, si ça vous intéresse, de moins 10% avec mon nom, Karine Miss Bloop. Je suis dans la fin, là, sur la fin, il m'en reste peut-être 4-5 à utiliser. J'ai aussi celui du soir. Après, ça va être mon rituel, comme d'habitude, je sais pas si vous le savez. Muffin avec du beurre salé et de la confiture de Corse à la clémentine. Celle-ci, elle est bonne, mais elle est pas aussi bonne que celle que j'avais avant. Et puis, bah voilà, mes petites vidéos, là. Ce matin, on a fait sport. Sous la pluie, hein, c'était le top. Le top. J'ai une maman qui m'a ramené plein de gâteaux arabes, je vous le montrerai tout à l'heure. Et parce que c'était l'Aïd, et du coup, bah voilà, les parents qui pensent à moi, c'est super sympa. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait ce matin. Alors, on a fait une première fiche de grammaire, donc sur singulier pluriel. On est à fond en ce moment sur ça, parce que demain, il y a une petite évaluation. Donc, on a fait un exercice de travail. Là, il faut que je finisse de les corriger, j'ai pas fini. Et on a fait une fiche sur... on a fait une nouvelle histoire dans notre livre Pas à page. Et une fiche sur le son, la lettre Y, le son I ou I, donc comme pyramide, etc., bicyclette, bon voilà, là c'est le son I, avec la lettre Y, et puis je vais vous montrer demain, ou ce soir, j'essaierai d'y penser, faut que je vous montre ma nouvelle méthode pour l'année prochaine, du coup on change de méthode, on prend plus celle-ci, là on était sur pas à page de Nathan, on va changer, et on va aller chez Retz, je crois, si je ne me trompe pas, mais je vous montrerai ce soir. Regardez où je suis, j'ai Action. Petit tour de fin de journée, j'ai pas mes enfants donc j'en profite. Je viens de rentrer de chez Action, je vais vous montrer juste après les trois petites trouvailles que j'ai faites. Mais j'ai ouvert les gâteaux que j'ai eus et je remercie encore du fond du cœur Nesrine, une maman donc qui m'a offert tout ça pour moi et mes petits, mes enfants, mon mari, tout ça, tout ça. J'ai partagé avec toute la petite famille mais j'ai hâte d'en goûter quelques-uns, ils ont l'air merveilleusement bons. Merci, merci, merci Nesrine, t'es une maman en or. Pour ce qui est d'Action, voilà mon sac, j'ai craqué pour 2-3 petites choses, donc bon, je vais vous montrer, il n'y a pas des trucs de fou, il y a beaucoup de choses pour la maison, hein, mais pas des trucs de dingue, donc ça ne vaut pas un haul. Donc vous avez vu, j'ai pris des choses pour la maison, hein, vous savez, du film, du papier, des sacs poubelles, ces petites choses-là que ma fille adore, donc j'en ai repris. Et au niveau scrap, j'ai trouvé que ça. Au niveau sticker, j'ai rien trouvé. Je suis trop, trop déçue, là. Action, il n'y avait rien. En région parisienne, il n'y a vraiment pas grand-chose hein, dans mon Action à chaque fois. C'est pour ça que je fais tout le temps à Lille, en fait, parce qu'ici, il n'y a rien en région parisienne. Donc, juste ces stickers-là et ces stickers-là, qui étaient assez mignons. Je me suis dit, pourquoi pas, pour des petites cartes ou des choses comme ça, faites main, pourquoi pas. J'ai trouvé ce livre-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, le Everything Starts with quoi ? With a dream. Et en fait, j'ai trouvé vraiment sympa les illustrations à l'intérieur pour se donner des idées et tout. Je ne sais pas si c'est celui que Marion de la chaîne Hello Darling devait m'envoyer, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle me l'enverra. Donc, pour l'instant, voilà, je vais faire avec celui-là. Sinon, bah, c'est pas grave, ça servira, mais je le trouvais très très beau. Pour avoir des idées de déco, des choses comme ça, pour voilà, même ça pour réutiliser, pour mettre dans un cadre, superbe. Bon, il n'y avait que ça dans mon Action. Il y avait que celui-là. Il y en avait un autre, mais il ne m'intéressait pas. Et j'ai repris ça, je les ai déjà eus par Mélanie, quand elle me les a déjà offerts, mais je les ai repris, donc à 1,69€, j'en ai repris deux kits, parce que j'ai déjà commencé à utiliser les autres. Et j'ai décidé de me prendre ça en fait chez Action, parce que j'ai pas mal de petites choses qu'on peut mettre dans les boîtes là comme ça, des petites pièces en bois et tout ça. Elles sont dans 50 000 boîtes, et du coup je les utilise jamais, et je me dis que là le fait que ce soit en mallette, quand je commence à scraper ou à faire des albums etc, je ramène ma petite mallette, c'est beaucoup plus pratique, je peux ranger toutes mes pièces, c'est visible tout de suite, alors que les autres ils sont dans un tiroir en fait dans mon bureau. Et bien j'ai tendance à pas aller les chercher dans le tiroir, dans mon bureau en fait, j'ai la flemme. Donc clairement, je les utilise pas. Donc je me dis que là-dedans, pourquoi pas. Je vais tester et si vraiment ça me plaît, c'est cool, tant mieux. Sinon, je me ferai rembourser si je vois que ça rentre pas ou que c'est pas comme je veux. Je me ferai rembourser. Pour finir, j'ai acheté des gourmandises et ce truc-là pour un presse-agrumes en fait, basique. Parce que il me paraissait pratique. Je vais essayer de faire des jus de fruits maison au niveau du jus d'orange, pardon. Ça, voilà, la gourmandise qui m'a appelé. Et ça, au niveau gourmandise qui m'a appelé. Et j'ai acheté deux Toblerone comme ça. Ça coûte 1,19€, je crois. Pour ma collègue qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup en classe. Et mon autre collègue qui a fait projet cirque avec moi. Donc, je voulais les remercier. Faut que je prépare aussi un petit cadeau pour mon remplaçant aussi de vendredi. J'ai essayé de lui trouver un petit truc sympa. Mais j'ai encore un petit peu de temps. Donc voilà pour mes achats. Hein. Pas de folie. Hein. Vous avez vu, pas de folie. C'est assez décevant, Action. Sur le coup, c'est pas terrible. Ce soir, c'est petite salade. Donc, il y a de la salade verte, des tomates oranges, du blanc de dinde, des petits croutons de pain et des petites tranches de chèvre. Voilà, je cherchais.
Donc miam miam, j'en ai fait une grosse quantité, mais il y en aura pour demain midi en fait, comme ça après, ce que je mange pas, je le mets dans ma gamelle pour demain midi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est, c'est mardi, j'ai même pas eu le temps de vlogger de la journée, on est mardi soir, plein de lumière dans ma classe le soir. Je voulais juste vous montrer un petit truc, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de vous montrer un peu le programme de la journée, mais on est en train de construire avec les élèves le château des nombres. Donc dans ce grand truc là, on est en train de mettre toute la suite numérique et c'est eux qui le font eux-mêmes, je vais vous montrer pourquoi. Je leur ai distribué ce matin des petites étiquettes comme ça avec tous les nombres de 0 à 49 pour l'instant et demain on va faire de 50 à 100. Et je leur ai demandé chacun leur tour d'aller le mettre dans le fameux château des nombres. Donc comme ça, ça leur permet de construire la suite numérique et en même temps de voir, de repérer un petit peu les choses qui sont communes à tous. En orange, j'ai mis les dizaines, en noir les unités et en vert les centaines. Mais on verra que pour le 100, les centaines. Donc voilà pour le petit bon plan du jour. Et puis avec ça, on va faire plein d'exercices de mathématiques. Hello, hello! Alors là, on est toujours mardi soir, cette fois-ci 22h40 exactement. Je suis en plein dans mes livrets. Hier soir, il faut savoir que je me suis couchée à 1h du matin parce que j'étais en train de faire mes livrets. J'en ai fait 9. Et aujourd'hui, j'ai fini 2-3 évaluations pour les derniers qui me manquaient. Et là, bah, je suis en train de faire les 5 derniers, je crois que... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 derniers qui me restent à faire. Donc, au niveau des livrets, comment je m'organise? Tout simplement, j'ai toutes les évaluations de mes élèves sous les yeux. J'aurais pu me faire un tableau, vous savez, avec les notes de mes élèves, etc. Mais bon, là, j'ai pris toutes les évals, comme ça, je peux vérifier s'il y a des choses dont je me souviens pas. Donc, j'ai leur pochette d'évaluation avec toutes les évals sous les yeux. Ça, c'est l'éval de lecture, justement, la dernière éval de lecture. J'ai mon livret en version informatique. Je vous montre rapidement comme ça, voilà, sur l'ordi. Je remplis manuellement, enfin à l'ordi, je remplis les compétences, j'écris si c'est atteint, partiellement atteint ou non atteint, donc comme A, acquis, non acquis, enfin pour ceux qui connaissent. J'écris un petit commentaire pour savoir un peu ce qui va pas, les améliorations à faire, et puis je vais mettre le bilan final, passage ou pas en CE1. Veuillez excuser ma tête fatiguée, mais en même temps aujourd'hui c'est vraiment une grosse journée, j'ai vachement bossé. Je dis pas que je bosse pas d'habitude, mais là particulièrement jusqu'à 6h je suis restée à l'école. Donc je finis mes livrets ce soir, comme ça demain je les donne à ma directrice pour qu'elle les vérifie et surtout qu'elle les signe. Et puis je pense que je les donnerai soit demain, soit jeudi, comme ça les parents me les rendront lundi. Ça leur laisse tout le week-end pour les regarder, les signer, regarder les évals, enfin signer tout ça. Pour le dernier trimestre, nous, dans notre école, on ne rencontre pas les parents, sauf s'il y a vraiment des parents que vous avez envie de rencontrer. Et sauf si les parents veulent nous rencontrer, mais sinon on rencontre pas les parents parce qu'il n'y a pas de difficultés importantes là. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas d'élèves où il y a besoin absolument de voir les parents. Je pense que là, non. J'ai de la chance, j'ai eu une super classe. Et puis alors, ce midi, pourquoi j'ai pas eu le temps de vous prendre? Parce qu'on a fait nos répartitions de classe et c'est une vraie galère. C'est une vraie galère les répartitions de classe, dispatcher nos élèves dans d'autres classes. Mais laisser les copains ensemble quand même, essayer de voir si ça va être équilibré, est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons, enfin, c'est une galère. Bon, je finis tout ça et puis on se retrouve demain. Coucou à tous, on est aujourd'hui mercredi matin. J'ai testé les rouges à lèvres métalliques dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul, je vous mettrai ici haul Shop Miss A à 1$, donc ma foi... Ça flash un peu, je sens que mes élèves ont parlé toute la matinée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai une enseignante qui vient dans ma classe regarder un peu comment ça se passe en CP avec 13 élèves. C'est une enseignante d'une autre école qui vient un peu, entre guillemets, en formation pour que je lui montre un peu la façon dont je travaille avec mes élèves en plus petits groupes, voilà. Donc j'ai hâte de lui en parler, de lui faire découvrir un peu ma classe, ma façon de travailler. Et cet après-midi, j'ai l'intention de filmer une petite vidéo coup de gueule. On verra si je la mets en ligne ou pas. Ou coup de gueule, enfin, vous verrez bien. Et j'ai l'intention de vous filmer ma vidéo. Alors attendez, je vous montre sur mon petit carnet de vacances. Mon petit carnet sur le Canada, je vous en avais parlé dans un autre de mes vlogs. Et j'ai l'intention de vous filmer donc l'intérieur fini. Je suis trop heureuse, il est trop beau je trouve. Vous me direz votre ressenti en vidéo aussi. Bon allez, direction l'école parce que j'ai mes livrets hier. Oui, j'ai terminé mes livrets hier. J'ai terminé mes livrets, j'ai plus qu'à aller à l'école les imprimer sur la photocopieuse. Et puis les donner à ma directrice comme je vous ai dit. Donc, let's go. Hello, de retour à la maison. Donc on est toujours mercredi après-midi.
Pour le rouge à lèvres, j'ai pas fait de retouche du tout. Et ma foi, ça s'est estompé sur le bord de la lèvre, hein, pour $1, hein, je rappelle. Mais il est toujours là, on va dire qu'il s'estompe vachement bien. En revanche, j'ai l'impression d'avoir un petit peu les lèvres sèches quand même. Donc ça me dérange pas, mais on le sent quoi. Je pense que tout à l'heure, il va falloir que je mette du baume à lèvres à un moment donné. Mais je trouve qu'il s'est estompé quand même de manière assez uniforme. Il reste un petit peu de côté métallique. Bon, c'est pas une tenue de dingo, mais faut avouer que ce matin, il a fait chaud. J'ai beaucoup parlé, j'étais dehors. Enfin bon, toutes les conditions étaient réunies. Je suis passée chez... Sephora. Ouais, j'ai craqué à cause de toutes ces youtubeuses. J'ai fait mon mouton et j'ai craqué pour la nouvelle collection Dior Backstage, la Glow Face Palette, la 01 Universal. Et en fait, j'ai swatché en magasin la dernière fois quand j'ai été voir un peu la collection Dior. Et je vous avoue que les swatchs m'ont trop plu. J'avais trop envie de me la prendre. Là, j'ai attendu moins 25% qui passe sur cette palette. Il paraît que ça passe pas sur tous les produits Dior Backstage. Mais sur cette palette, ça passait là. Le packaging est ma foi très très sympa. Tout fin. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je vous invite à aller voir la vidéo de ma copine Sophie de la chaîne Linoa Wood. Je vous la mettrai en barre d'infos, qui a fait une vidéo spécialement sur ses produits de la nouvelle collection. Et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé à craquer aussi. Je ne te remercie pas Sophie si tu passes par là. J'ai reçu deux colis, je vais vous montrer tout de suite. Il y a la Degustabox, donc je vais vous montrer tout de suite. J'ai essayé d'être rapide, mais j'ai trop envie de l'ouvrir. Donc premier colis, ça vient de la part d'Octoly et de la marque Glam Glow. Je suis trop ravie que la marque elle me fasse confiance et me permette de tester ce nouveau masque. Le Purple Glitter Firming Peel Off Mask, donc le Gravity Mud. Et honnêtement, c'est un masque soin raffermissant, un peu, vous savez, la gamme My Little Pony. Où, bon, voilà, j'avoue qu'il y a le côté gadget qui brille, un peu violet, tout ça, mais j'avais envie de tester, écoutez. Donc je pense que ce soir, je vais vous le tester en direct live, hein, ce soir, et comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Hello sexy! Packaging trop mignon, et à l'intérieur, on dirait qu'au fond, il y a des autocollants, j'ai l'impression. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est ma fille qui va se faire plaisir. Alors, le thème de la Degustabox du mois de juin. J'ai trop hâte parce que comme c'est l'été qui arrive, je me dis que ça va être un thème sympa. Je vois qu'il y a des réductions de saucisson. Donc, je pense qu'il y aura du saucisson. Il y a pas mal de réductions. Tiens, plus ça va, plus il y en a. Oh, ça, c'est vraiment pas mal. Oh là là. Des petites réductions. Oh là là, ça va être un truc apéro, ça. Ah bah voilà. Trop gagné. Gagné. Apéro. Bon, je vous mets comme d'habitude les prix en haut quand je vous montre les produits. Et puis à la fin, le total... oh là là, mais elle a l'air trop bien, quoi. Des petites tartines apéro comme ça de chez Jacquet. Pour faire des petites tartinades, pour les barbecues, les apéros. Il y a 3 paquets à l'intérieur, donc trop bien. Bon, l'apéro égale quand même chips et trucs salés. Hein. Ça, j'adore. C'est une marque et les craquinis, je les aime beaucoup. Donc ça, je suis ravie de les recevoir. Et je vois qu'il y a aussi les Belin de Chipster. Non, les Chipster de Belin plutôt. Et il y en a 2 paquets, 2 sortes différentes. Donc là, c'est saveur poulet, donc c'est des nouveautés. Et celui-ci, saveur épicée. Donc ça, mon mari, il va kiffer. Il aime beaucoup cela. Donc ça, parfait. On a des petits jus d'orange, douceur d'orange bio, la marque Sidou. Ça, c'est trop bien que ce soit pour moi à l'école, parce que c'est très pratique pendant ma pause, ou pour ma fille. Alors, on a de la tomate en... Il est pas mal le packaging. Ma tomate cuisinée, idéale pour pizza, tarte, lasagne, plat mijoté. Du coup, comme vous le remettez au frigo, bah, c'est fermé, c'est hermétique, c'est hygiénique. Donc, c'est pas mal du tout. Pour les pique-niques, peut-être pour les tartes ou les salades, du coup. J'ai pas précisé, c'était la marque Zappetti, que je connais de plus en plus grâce à la Degustabox. Comme je disais, du saucisson. Alors moi, je ne mange pas de saucisson, mais ça va plaire à ma maman. C'est du Justin Bridoux, donc très bonne marque. Et c'est la recette catalane. Petite gourmandise à l'intérieur, et ça j'aime bien, mais une petite touche de gourmandise, des petits écoliers en barre. Je connais pas cela, mais je pense que je vais beaucoup aimer, que ce soit pour moi ou ma fille. Bon, vous avez compris, moi et ma fille, on grignote les mêmes petites bêtises. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas du tout. À la pêche et à l'amande, ah, ça a l'air d'être des thés froids, enfin des thés à mettre au frigo. Real Braves Tea, Iced Tea Made, pourquoi pas. Donc là, il y a la pêche et là, il y a la menthe. Honnêtement, pourquoi pas tester? J'avoue que j'ai beaucoup de thés froids à boire. Avant, j'étais hyper fan et maintenant, je suis de moins en moins. Donc, on en reçoit beaucoup dans les box, mais mon mari les teste, donc pourquoi pas. Cela, il me donne quand même envie de tester, donc je testerai peut-être tout à l'heure. Et ça, c'est trop bien. C'est des tomates séchées, des tomates rôties au four de la marque Sakla. Ça, c'est trop bien. Que vous puissiez les mettre dans les salades, dans les pizzas, ça donne bien envie. On dirait qu'il y a même des olives dedans. Ah oui, avec olives noires. Trop bien.
Alors, bien protégé dans du papier bulle, il y avait 3 bières, je crois, si je ne me trompe pas, pour les Provençaux de la marque Pelfort. On ne boit pas de bière, mais mon frère sera très content. Ce sont des bières blondes, il y en avait 3. Alors, dans vos box, vous avez des box avec alcool et sans alcool, hein, je précise. Et un petit complément, ça c'est trop trop bien, je suis contente. Alors, je pense que vous, dans vos box, vous en aurez qu'un, mais enfin, à vérifier. Hein. Mais là, on a des petits sirops de la marque Monin. Ils sont très connus, ces sirops-là, ils sont de très très bonne qualité. Vous avez le Mojito, oh, j'ai trop hâte de tester. Le Orange Spritz et le sirop pour Ponche Planteur. Donc, c'est des sirops sans alcool pour faire des cocktails nous-mêmes. Ça, c'est trop trop bien. Mais moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et le fait que ce soit en petite bouteille, ça permet de tester. C'est vraiment une bonne idée pour l'été, pour les apéros et tout ça. Donc, super box du mois de juin. Je sais pas ce que vous allez en penser. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à réagir. Je vous mets le prix ici de la box des prix au total. Et je vous mets, comme d'habitude, un code promo en barre d'infos. Si vous voulez commander votre première box, avoir moins 5€ de réduction. Honnêtement, c'est la première fois que je teste un masque Glam Glow. C'est fun, on va dire, sur le côté voilà, brillant. C'est hyper frais sur le visage là. J'ai l'impression vraiment d'avoir un masque qui sort du frigo, tellement ça fait un effet frais sur le visage. Donc, je pense que le côté raffermissant doit être là avec cet effet frais. Le petit embout, en fait, tout à l'heure, je ne l'ai pas montré parce que j'ai découvert après, mais il y a un petit embout dans la boîte qui est, ma foi, en silicone rose comme ça, qui est très pratique pour le mettre. Il est petit mais pratique pour le mettre. Maintenant il faut que je le laisse sécher et après je pourrai l'enlever en version peel-off. J'ai oublié de préciser, il a une espèce d'odeur qui me rappelle un peu mon enfance, vous savez, cette odeur de jouets en plastique. Je sais pas si c'est rassurant, mais un peu sucré mais plastique, je sais pas trop. Il a une odeur assez particulière qui me dérange pas mais qui est surprenante. Ma peau au naturel, honnêtement, elle est bien nettoyée, elle est plutôt douce. Après raffermie, je peux pas vous dire, je pense qu'il y a écrit que c'est possible de l'utiliser 2 fois par semaine. Donc je vais essayer au moins de le faire 1 fois par semaine, comme ça je vais me faire un petit rituel. Et je pourrais vous dire comme ça au bout d'un mois d'utilisation si c'est vraiment efficace au niveau du raffermissement de la peau. Mais ma peau est nettoyée, propre, elle est douce, donc c'est déjà bien. J'ai eu cet effet raffermissant pendant la pose du masque puisqu'il y avait un effet hyper frais. Alors ce soir, j'ai complètement oublié de vous le dire, je voulais vous continuer mon vlog jusqu'à demain. Mais il fait déjà 40 minutes, je vais peut-être me calmer. Et demain, je pars demain soir dans le sud de la France, en long week-end avec ma petite famille. Du coup, je vais pas pouvoir clôturer le vlog, vous le mettre en ligne, etc. Donc j'aimerais bien le faire ce soir, comme ça c'est fait. Juste pendant cet après-midi, mercredi après-midi, donc à part faire mon masque, j'ai trié mes vernis. Je vous montre un petit peu mes vernis, voilà. Ma petite collection de vernis. J'ai trié mes vernis et pour vous montrer tout ça qui va être soit donné, soit vendu. Et puis j'ai fait des cartons de livres, juste pour vous montrer un aperçu. Voilà toute ma collection de parfums. Donc je vous avais promis une vidéo parfum, elle arrivera très prochainement. Sur ce, je suis revenue dans mon salon. Sur ce, avec mes cartons, puisque ce soir c'est soirée carton, hein, je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me dire si vous voulez d'autres petits longs weekly vlogs en commentaire. N'hésitez pas à me dire ça, si ça vous intéresse toujours ou pas du tout. Hein. J'ai envie de savoir. Oups, je fais tomber mes lunettes. J'ai envie de savoir parce que la dernière fois vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez bien les weekly vlogs, même si c'était long, vous voyez plein de choses, que ce soit à la maison ou dans ma classe, donc j'espère que ça vous aura intéressé et je vous réserve un weekly vlog spécial, enfin si vous êtes d'accord et si vous en avez envie, spécial dernière semaine d'école avec que, enfin ma dernière semaine d'école, comment ça se passe, peut-être même juste mon dernier jour d'école, enfin voilà, je verrai bien, mais les derniers jours à l'école, comment ça se passe pour les enseignants et pour les enfants. Des gros bisous.